Nous sommes partenaires de 17 000 comités d'entreprise en France pour leur fournir des solutions de billetterie, des solutions de gestion, des titres, cadeaux culturels pour permettre aux salariés d'accéder aux loisirs et à la culture. C'est la 7e édition de l'Atrium culturel du groupe Up. Nous sommes donc au Palais d'Iéna. Vous venez à la rencontre de tous ceux qui font vivre le spectacle. C'est une pièce complète, archi complète, sur toutes les grandes thématiques du théâtre. Ce texte me vient facilement, sans grand effort, seulement si je respecte et je suis dans la discipline de ce que ça demande. Alors même si on a des textes extraordinaires et que là, en l'occurrence, c'est tellement servi, il va falloir aussi y mettre notre propre état d'âme. J'ai déjà, plusieurs contacts sur lesquels il y a effectivement des théâtres avec lesquels on va travailler, des offres qu'on va pouvoir relayer à nos salariés. Donc pour moi, c'est tout à fait positif. Va essayer de donner une indication à travers ce qui est écrit. Là, j'avais envie de faire une pièce de théâtre, laquelle je n'en avais qu'une idée, une pièce de théâtre qui ne parlait pas de politique du tout. Tout le monde connaît les romans de Stephen King, et Stephen King au théâtre, eh bien, faut le faire. La relation avec le public est plus forte que tout le reste. Est plus forte que le texte, est plus forte que... parce que à partir du moment où il y a un vrai échange humain, il se passe quelque chose. Tous les autres acteurs sont absolument merveilleux, moi. C'est un moment de théâtre assez incroyable. Alexandra. Partage. Simplicité. Ouverture. Pétillant. Convivial. Familial. Chaleureux. C'est toujours bien de parler avec les gens, de parler effectivement avec des entreprises qui sont un peu le poumon de la société dans un lieu important et en même temps que la culture au cœur des entreprises soit présente. Donc c'est assez émouvant, oui, d'être là avec vous. J'invite à tous les CE à venir l'année prochaine sur ce salon parce que vous verrez, ça n'a rien à voir avec ce qui existe aujourd'hui. Venez tous.